Rebonjour les amis, alors là on va faire les pronostics des deux matchs d'Europa League et de Conference League de nos deux clubs français. Alors on va commencer par West Ham contre l'Olympique Lyonnais. On le sait que Lyon est meilleur en Europa League qu'en Ligue 1. On va voir parce que West Ham c'est quand même une très bonne équipe. Lyon est 7e, non, Lyon actuellement est 9e de Ligue 1. West Ham est autour de la 7e place en Première Ligue. Et ce match-là, je partirais sur un bon match nul. Je pense que ça va être compliqué que Lyon s'impose. Je ne vois pas West Ham gagner. Et je partirais sur un match nul 1-1 entre West Ham et l'Olympique Lyonnais, l'OL. Voilà, ça voudrait dire qu'au match retour, encore, les deux équipes pourraient encore se qualifier. Mais je pense que tout va se jouer au match retour. C'est pour ça que je verrais un match nul 1-1 entre Lyon et cette équipe de West Ham. Et puis après, en Conference League, Marseille contre le PAOK Salonique. Bon, c'est au stade Vélodrome. Marseille, bon voilà, si il joue comme la première mi-temps face à Saint-Etienne, j'aurais un petit peu d'inquiétude. Mais s'ils jouent le même jeu qu'ils ont fait en seconde période, je verrais une victoire de Marseille 3-1. Je pense que Marseille va marquer des buts dans cette rencontre. Peut-être qu'ils vont s'en encaisser un. Parce que le PAOK Salonique, bon voilà, peut marquer peut-être un but. Mais franchement, Marseille, il devrait faire le taf, gagner ce match aller 3-1. Voilà mes pronostics de nos deux clubs français. Je vois un match nul pour Lyon 1-1 et une victoire de l'Olympique de Marseille 3-1 en conférence Ligue. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics pour nos clubs français en Europa League et en conférence Ligue.